se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ouvre ce petit paquet vieille pipette avec une invitée surprise. Coucou. Coucou. Eh oui, moi aussi je vous dis bonjour derrière ma petite caméra. Alors Sindel, aujourd'hui tu vas nous faire un petit unboxing, c'est ça? Oui, vieille pipette. Vieille pipette, c'est Sindel qui a choisi, je précise. Et si vous voyez, si vous ne savez pas ce que c'est que les vieilles pipettes, bah c'est là. Voilà, c'est les petits chihuahuas multicolores de toutes les couleurs. Alors, il y a plusieurs box hein, forcément de chihuahua, mais avec Enola, on a choisi celle-ci. Voilà. Et parce que, en fait, c'était pas, pour tout vous dire, c'était pas prévu qu'on vous fasse cet unboxing. Mais Sindel a découvert cette boîte quelque part dans la maison. Voilà. Et donc, bon, bah, du coup, la surprise, voilà, il n'y a plus. Mais on fait quand même un unboxing. Oui. Voilà. Donc, on va planquer un petit peu mieux les choses, n'est-ce pas, Enola? Oui. Alors ces vieilles pipettes, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, Sindel, ces deux-là, ces deux personnages? C'est qu'elles sont pas dans la collection. Si vous ne voyez pas, je vais vous montrer. C'est juste là où... D'accord. C'est juste dans un coin en bas, là, toute la collection. Tout à fait. Alors, tiens, je vais prendre la boîte. On a toute la collection, là, vous les voyez. On a plein. Ces deux personnages-là que vous voyez sont des personnages exclusifs qu'on ne retrouve pas dans cette petite collection qui est là, que vous voyez, hop, en bas. Voilà. Donc... On a toutes celles-là en bas, voilà, qui sont super mignonnes. Mais là-dedans, voilà, on a ces deux personnages. On vous les remontre de plus près. Lady Gigi et Yoko, c'est ça? Hein, c'est marqué derrière? Oui. Et en plus, ces deux-là, ils sont pas comme les autres. Qu'est-ce qu'elles ont de différent? Pourquoi elles sont pas comme les autres? Là, ah oui. Qui sont longs. Exactement. Ici. Et celui-là, c'est encore plus long. Exactement, elles ont la particularité d'avoir les cheveux extra longs, c'est ça. Alors que les autres, elles arrivent juste aux pattes. C'est ça. Elles sont longues aussi, mais elles arrivent... c'est moins long. Tout à fait. Sindel a raison, les autres, vous voyez que les cheveux, à part celle-ci, arrivent jusqu'aux pattes, celle-ci dépasse un petit peu. Mais celles-ci, elles ont la particularité d'avoir les cheveux extra longs, comme l'indique l'image ici. On ouvre cette boîte et on se retrouve tout de suite après. Let's go! Donc les filles, ça y est, vous avez tout déballé, vous avez tout ouvert. Alors montrez-nous un petit peu ce qu'il y a. On va commencer par Sindel, puisqu'elle veut commencer. Alors tout d'abord, on a le petit lisseur. Le petit lisseur. Alors ici, là, plusieurs emporte-pièces. Ouais, mais ça c'est plutôt pour les stylos, les emporte-pièces. C'est pour les... en fait, oui, voilà, on met un peu de stylo dessus. Ah, montre-nous, je vais regarder ça de plus près. Là, des petites plaques que tu peux changer. D'accord. Des petites plaques que tu peux changer et après tu peux les... Et après dessus, ça se fait soit un cœur, soit une étoile et après tu mets un peu de trucs dessus. Alors voici les petites couleurs que Sindel nous a montrées. Alors comme tu nous as dit, du doré, de l'argenté et du violet. Quelle est ta couleur préférée, Sindel? Laisse-moi deviner. Dis d'abord, à ton avis, c'est laquelle? À mon avis, c'est le violet. Non. Ah, je me suis trompée alors, parce que d'habitude c'est la couleur violette que tu aimes. C'est le blanc gris. L'argenté alors. Oui. D'accord. Et avec cette petite, ces petites plaques à lisser, en fait il faut mettre de la couleur là-dessus, là, sur la petite mousse, des deux côtés, je pense, enfin ouais, peut-être des deux côtés ou un seul côté, celui qui se verra sur le haut de la poupée. Et en haut de la mèche, on fait glisser comme ça, tac, 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 comme sur les cheveux normaux. Et puis ça leur donne la couleur que vous avez choisie. Ou alors vous pouvez faire des petits tampons comme ça sur les cheveux, je pense. Mais ce serait plus facile de faire des mèches. Donc on va vous montrer ça après avec les poupées, oui. Ça s'enlève ou pas en fait? Oui, ça s'enlève, après ça se lave, hein, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le fer à lisser? Alors on a une petite brosse. Une petite brosse, d'accord. Trace de pain, oh, c'est trop chou, pattes. Avec une petite trace de pâte, une empreinte, ouais. Et des petits picots, bien sûr, parce que ce ne serait pas une brosse sinon. Hein. Hop, ensuite, et Enola, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux petits pochoirs. Alors ça, effectivement, c'est des pochoirs pour pour les cheveux, hein, justement. Pour les petits gels, comme ça, pailletés, à mettre sur les cheveux. Et ça vous fait des petits pochoirs sur les cheveux. Des petites formes. Ok. Et on a... bien sûr,
comme c'est un... C'est un salon de coiffure, effectivement. Voilà. On a, bien sûr, évidemment, un petit siège où voilà, la marque du... C'est une bonne vendeuse, hein, Cindy. Oui, attention, ça rigole plus. Hein. Comment ça s'appelle, la Alors, bah, c'est, voilà, d'une VIP pet. Alors, Cindy, elle a un peu de mal pour dire VIP pet. Hein. VIP pet, c'est le principe des chihuahuas VIP, hein. Very ah. Important people. Ah, et alors, ici, ce petit siège, qu'est-ce qu'il a de particulier? Hop, je bouge la caméra. Bah, c'est qu'on peut mettre de notre... Je me suis un peu fait arracher le siège des mains. Redonne-moi ce siège, s'il te plaît. Merci. Donc, ce siège, il a la particularité d'être ventousé. Bon, là, on n'a pas humidifié. Peut-être que, voilà, c'est pour ça. Et donc, du coup, quand on coiffe les petites VIP pipettes, qu'est-ce qui se passe si on le met sur le siège? Ça ne bouge pas. Ah, exactement, ça ne bouge voilà. pas. Et Nola, qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer? Alors, ensuite, sur le chien, il y a des petits colliers. Ouais, des petits colliers. Comme ça. Waouh, mais c'est joli. Je sais pas si on va bien. C'est un pour chaque chien, c'est ça? Ouais, bien sûr, on va les échanger. Voilà, exactement. Après, on peut intervertir les petits colliers. Alors, du coup, on va voir ces petits VIP pets de plus près. Montre-nous Yoko et Nola. Donc, voilà la petite Yoko toute mignonne avec ses petits cheveux. Elle est trop belle. Ils sont tout doux. Ah, aussi. Voilà, on a, y a la petite Yoko avec un petit chignon, des cheveux verts, une frange, des yeux bleus. Voilà, donc c'est des chihuahuas, hein, pour ceux qui savent pas quelle race c'est. Hop. Et alors, c'est vrai qu'elle a les cheveux très très longs, elle marche dessus. Et toi, Sindel, tu as Lady Gigi. Montre-nous Lady Gigi. De toute façon, merci. Fait, on va se les partager parce que ouais. Enola, ouais. Elle est à votre côté. Alors, ça, voilà, c'est à Sindel, hein, mais Enola, elle adore aussi, quoi. Voilà. Voilà, parce que c'est kawaii, c'est mignon, coup, c'est chou. On se les partage, ouais. Je lui prête. Voilà, tu lui prêtes. Alors, pareil, elle a les cheveux tout doux, Lady Gigi, les cheveux rose fluo. Waf waf, parce que je le vaux bien. Et voilà notre petit VIP pet. Allez, on va faire une petite démonstration pour vous, les petits copains, les petites copines. On va vous montrer comment on se sert des plaques, du matériel, des gels pailletés. Enfin bref, on y va, on vous montre tout ça. On a découvert un petit truc sur les plaques. Ouais. Hein. Voilà, on peut enlever tout ce qui est à l'intérieur, vous voyez, la forme de cœur, tout ça. On a des formes d'étoiles, mais on ne sait pas du tout si on peut le mettre dedans ou ouais, pas. Ça c'est dommage parce que du coup il n'y a qu'une seule étoile. Ouais, parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas les caler. Par contre, ce qui est bien là-dessus, c'est qu'on peut nettoyer l'éponge. Alors pour commencer, je vais mettre du gel sur le truc éponge. Ouais, sur la petite éponge qui est à l'intérieur. Donc du coup voilà, on essaye de pas déborder et je pense qu'il faut pas mettre trop au bord, tu sais, du petit cœur, parce que en s'aplatissant, ça va déborder et du coup, on n'aura plus la couleur. Du coup, tu as mis le côté coloré en haut. Ok, vas-y. Ouais. Alors, il faut commencer par le haut de la couette. Donc, il faut prendre une mèche, hein, Enola, juste une petite mèche. Oh. Voilà. On prend une mèche, on met tout en haut de la mèche. Elle est pas assez large. Alors, épaissis okay. Là, voilà. Tiens, je te tiens la vieille pipette. On met tout en haut de la mèche. Comme ça. Voilà. Et on fait glisser. Ah, en fait, ça fait pailleté. Waouh. Wow. Ouais. Alors, ça fait tout pailleté. Ça ne change pas de couleur, mais par contre, ça fait pailleté. Ça... Oui, ça ne changera pas de couleur. Ça fait tout les... Alors, je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Ouais, on voit à peu près. Ça fait des paillettes. Voilà, ça fait des jolies... Une jolie... Ah. Non, là, on ne voit plus rien. Excusez-moi. Le truc... non, ça va. Donc voilà pour Yoko et ses petits cheveux verts et jaunes pailletés. Alors c'est très fin, c'est vraiment pas salissant. J'avais un petit peu peur, je vous avouerai que ça salisse, ça mais non. Hein. Non, ce résultat est même assez propre parce que je pensais que ça irait un peu partout, sauf que ça va. Tu veux essayer? Oui, mais du violet. Du violet. Alors comme on a utilisé ce côté, toi tu vas utiliser l'autre côté qui est tout propre. Sindel remplit son petit cœur de paillettes. De beurre. D'accord, ça sent le beurre, les amis, écoutez. Moi, je sens rien d'ici. Moi, mais... j'adore le beurre, donc ça me tient bien. On met bien partout, sur les bords, pour le coup. Là, je pensais que non, hein, tout à l'heure, je vous ai dit non. Mais là, on peut mettre sur le bord, puisque attention, ça débordera pas. Donc, tu cales la pince tout en haut de la mèche. Vas-y, tu tires jusqu'en bas. Je refais. Wow. Tu remets un petit coup. Allez, remets un petit coup. Ah. Voilà. Ok. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, voilà. Oh, oui, ça se voit là.
J'ai l'impression qu'on le voit plus sur Gigi que sur Yoko. Alors voyez, on voit les paillettes en haut et qui descendent jusqu'en bas. Alors j'essaie de régler la luminosité pour vous. On va peut-être la mettre comme ça. Gigi, elle est trop. Mais voilà, on voit et on peut toucher, hein, je sais pas. Elle est voilà. Trop mignonne. Sindel veut en mettre un petit peu sur la frange. Et Nola, on a mis aussi sur la frange. Et après, on va vous montrer le résultat. Je pense qu'on a bien décoré, les filles. Ouais, vous êtes fait plaisir. Ouais. Ouais, comment vous avez trouvé ça? C'est facile à faire. Ouais, c'est facile à faire. J'avoue, c'est facile et c'est propre. Ouais, surtout. Franchement, avant d'ouvrir la boîte, on s'est dit avec Enola, oh là là, avec Sindel, ça va partir en cacahuète. Dans les cheveux, surtout. Ouais, puis non, hein, tout compte fait, non. Ouais. Alors, Enola, qui nous montre la première vieille pipette? Enola ou Sindel? Ouais. Sindel, d'accord. Alors, vas-y, montre-nous ce que tu as fait. Waouh, d'ici je vois plein de paillettes. Hop, attends. Hop. C'est quoi ce bruit? Tic, tic, tic. Oh, bah c'est sûrement un petit truc qui est à l'intérieur. Donc voilà la vieille pipette de Sindel. Hop, un petit zoom dessus ne fera pas de mal. Voilà, je pose le siège. Et elle a mis des petites paillettes de ce côté. Voilà, je sais pas si on zoome un petit peu. Ouais, voilà, un petit zoom, tant bien que mal. Voilà. Et un petit peu sur la frange, donc voilà, pour Lady Gigi. Ah, aussi, je sais pourquoi on peut enlever ça. Hein, pourquoi? On peut remettre un petit peu, faire tac, tac, tac. D'accord. Enlever ça, prendre le petit tampon et le taponner sur la tête. Ah, peut-être, peut-être aussi. À toi, Enola, montre-nous la tienne. Enfin, la tienne pour la vidéo, hein, parce que bon, on sait que c'est ta Sindel. Alors, montre-nous, c'est qui celle-ci? C'est Yoko. Bonjour tout le monde. Et voici Yoko. À tes souhaits. À tes souhaits. Donc, Yoko, voilà, un petit zoom dessus aussi. Voilà, avec un petit peu plus de luminosité. Alors, Enola a bombardé. Mais ça suffit, oui. T'arrêtes d'éternuer pendant ma présentation. Alors, oui, donc Enola a mis des paillettes un petit peu partout, vous voyez, je sais pas si on voit là, je joue aussi avec la luminosité, et un petit peu derrière aussi. Alors, je vous avouerai qu'on voit pas très bien à la caméra l'effet que ça donne au niveau des paillettes, mais c'est vraiment pas mal. Et le petit chouchou qui est là-haut, on peut l'enlever, hein, le petit chignon, mais pour la vidéo, on l'a laissé, mais je sais qu'avec Sindel, ça va très vite partir. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les filles? C'est super. Il est trop mignon. Et voilà, moi, c'est super. La meilleure, c'est Yoko, c'est pour ça que j'ai donné la médaille d'or. D'accord, c'est vrai qu'elles sont jolies, elles ont plein d'accessoires au niveau des bijoux et au niveau du coiffage. Donc faut savoir que c'est un jouet qui vient de chez Stokomani. Alors il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien du tout, c'est complètement libre. Si jamais un jour on vient à faire un partenariat, ce sera dit en début de vidéo, mais là c'est pas le cas. Ce sont des jouets qu'on a trouvé où, Enola? Chez Stokomani. Exactement, parce que Stokomani font souvent les fins de série ou alors les invendus, les choses comme ça, ou alors voilà des trucs comme ça. Et il faut profiter parce que ce sont des prix vraiment moins chers et ça peut correspondre au petit budget. On pense aussi au petit budget, on voit beaucoup de jouets qui sont un petit peu excessifs sur YouTube. C'est vrai que notamment au niveau des fêtes de Noël. Et donc là, on s'est dit pourquoi pas présenter un jouet un petit peu moins cher. Tout aussi fun, hein, on peut le dire, parce que franchement, là, les filles seraient égales. Et il faut savoir qu'il y a la suite, il n'y a pas que ça en vieille pipette. Ouais. Mais pour cette vidéo, ce sera tout, en tout cas. Il y en a plein d'autres. Ouais, il y en a plein d'autres. Nous, c'est tout ce qu'on avait, et puis on s'éclate déjà bien, et c'est déjà pas mal. Exactement, t'as tout à fait raison, Sindel. Enfin, c'est comme ça qu'il faut penser. Est-ce que tu es partante pour faire une collection de vieilles pipettes, ou on s'arrête là? Ouais. Alors, la question était pour Sindel, mais c'est Enola qui répond. Non, mais c'est trop bien. D'accord. Et donc du coup cette vidéo est terminée, je pense qu'on peut la conclure. Oui. Ouais. Donc moi je vous fais des gros bisous, comme d'habitude je pars avant tout le monde. Alors je fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Et je laisse Sindel et Enola conclure cette vidéo. À très bientôt. Les copains, les copines, si cette vidéo vous a plu, faites un max de bruit en commentaire. Likez, partagez et abonnez-vous. Et nous en attendant, on vous fait des gros bisous. Mouah, mouah, mouah.